Bon, les amis, vidéo à chaud. Fabrizio Romano vient d'annoncer que NDI est déjà du côté d'Everton, qui avait un accord quasiment acté entre l'OM et les Tofis. Donc, c'est vrai que c'est un sentiment très spécial, hein, je pense, pour beaucoup de supporters marseillais. Parce que NDI, ça a été le tube de l'été 2023. On parlait de lui tous les jours. On se rappelle le 31 juillet, le jour de sa signature, l'effet que ça avait à Marseille, à l'aéroport de Marignane. Le lendemain au Stade Vélodrome, le premier match contre les Vercuzen, là où Dédé Fournel il présente toutes les recrues, Aubameyang, Kondobia compris, c'est Ndiaye qui est ovationné c'est le seul qui a eu un champ spécial. Vous pouvez aller voir la vidéo sur internet. Donc je vais vous dire la vérité sur ce qui s'est passé avec Ndiaye et je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'en entier. Mon sentiment, il y aura aussi beaucoup de mea culpa, de beaucoup de parties d'ailleurs, hein, ceux qui l'ont censé à, à son arrivée. Qui lui ont mis beaucoup de pression, certainement. Donc, on va revenir à là, déjà. Ndiaye a fait une super saison à Sheffield. Bon, juste avant, il était passé par le centre de formation de l'OM, on le sait. Et il a eu l'OM dans le cœur toute sa vie. Comme son papa, d'ailleurs. Et puis, euh, il y a eu un intérêt de l'OM. Peut-être bien aidé par l'impact qu'il y a eu sur les réseaux sociaux ou sur Twitter et autres. Tout le monde parlait de lui. Il y a eu quelques. Clin d'œil, hein, je me rappelle de Mbemba qui lui conseille à la télé en direct de, de signer chez nous. Et puis euh, voilà, il signe le 31 juillet. Et puis là, euh, c'était une belle histoire, bien sûr. Une pépite qui a cartonné en Angleterre, qui a un pur talent, un dribbleur, un joueur techniquement au-dessus du lot. Les South Winners qui vont l'accueillir à l'aéroport de Marignan, c'est quelque chose de sacré quand même. Hein. Dans l'histoire du club, il y en a eu quatre ou cinq des joueurs qui ont eu un tel accueil, même si ce n'est pas lui qui l'a demandé. Hein. Et puis sur Internet, une hype, je répète, très importante depuis le début des rumeurs. Je parle des YouTubers dont je fais partie. Hein. J'ai été un des premiers, un des fers de lance à vouloir l'arrivée de NJI, parce que j'avais déjà vu avec le Sénégal en Coupe du Monde, il avait été un des meilleurs Sénégalais contre, contre l'Équateur. Euh, bon. Voilà, et puis même lors de certains matchs de préparation, et puis ça ressemblait à une belle histoire. Bon, j'étais pas pas été le seul encore une fois parce que la grande majorité des supporters de l'OM voulait son arrivée. Il n'y a qu'à vérifier cela et puis euh, on en parlait tellement, c'est une réalité. Et puis il y a ce premier match amical contre les ou où Ndiaye venait d'arriver sur Marseille 24 heures avant. Cette vidéo du club où il refait ses jongles à la gare Saint-Charles, etc. Bref, des belles images. Et puis ça nous a tous donné des frissons. Je vous répète le 31 juillet 2023, je me rappelle de la date où Ndiaye a signé à l'OM. C'est un truc de fou quand même. Il y avait une odeur à Marseille spéciale. Je sais pas, je croisais des supporters, même sur Internet, on était tous, waouh, les yeux euh, comme ça. Mais aussi, c'était la conclusion d'un mercato qu'on pensait réussi. Les Condobia, Aubameyang, Ismail Assar, Reynald Lodji, niveau Ligue des champions, soit disant, bref. On était dans un été euh, où on s'est emballé. Et NGI, c'était l'apothéose, c'était la cerise sur le gâteau. Donc, il y a ce match amical contre l'Everkusen où, dès les premiers touchés de balle, on sent que ce joueur, il a quelque chose. C'est un des rares joueurs à, quand il prend le ballon, à pouvoir éliminer un adversaire direct sur un contrôle orienté. Et ça, on l'a vu toute la saison avec l'OM. C'est une des qualités qu'il a mise en avant. On ne peut pas dire l'inverse. Il a montré aussi beaucoup d'envie. Je crois qu'il a eu des crampes même dès l'heure de jeu. Mais le problème dans tout ça, c'est que NDI, il a tellement voulu rendre l'accueil qu'il a eu à l'aéroport, sur Internet, qu'il s'est mis une pression, qu'il a déjoué. Et vous savez, l'expression. À Marseille, la pression, elle peut être néfaste. À Marseille, ça peut te peser de jouer avec le maillot de l'OM. Eh ben, Ndiaye, c'est l'exemple parfait. Pourtant, j'en ai connu à l'OM des joueurs qui ont déjoué chez nous, vraiment, qui a été méconnaissable, qui n'a jamais réussi mentalement à s'enlever cette pression. Après, il y en a d'autres hein, qui arrivent, je répète, à se servir de ça, qui se sont sublimés grâce à ça et qui ont été au sommet grâce à ça. Sinon, ça aurait été des joueurs moyens ailleurs. Donc, c'est tout ou rien. Ensuite bon, vous savez, quand on dit que Ndiaye a été protégé par les supporters de l'OM, ça je suis pas d'accord et ça c'est pas vrai. Dès le mois d'août, dès le mois de septembre au bout de 4-5 matchs, on se disait mais oh Ndiaye c'est pas bon, c'est c'est moyen. Ndiaye faut que vite qu'il se réveille et surtout et surtout parce que ça c'est rien encore, c'est les avis footballistiques. Beaucoup de supporters de l'OM disaient Ouais, euh, comment il s'appelle celui qui aime l'OM là. Mais moi aussi j'aime l'OM, sauf que je joue pas à l'OM. <laughs> vous vous rappelez de toutes ces, voilà, mais ça on s'en fout. Toi t'es pas joueur professionnel. Si tu as un club qui propose plus d'argent et l'OM, qu'est-ce que tu vas faire à la place NDI C'est là où tu pourrais comparer. Mais sûr que tu voudrais jouer à l'OM gratuitement. <laughs> moi, un autre, euh, tous ceux qui sont pas professionnels, on irait à l'OM gratuitement en tant qu'amoureux du club. Mais c'est pas la même. Euh position que lui, c'est incomparable. NJI, autant il a eu un accueil extraordinaire, autant les supporters ont été au cours de la saison, pas tous, mais une partie cruelle et toxique. Et c'est à l'image de Marseille, on a un public exceptionnel, fervent, unique, je suis le premier à le répéter très longtemps, mais on a une part de toxicité, euh, j'arrive pas à le dire, et d'un côté malsain, au-delà de l'exigence, hein, et vous savez que c'est la vérité, les gars. Je vais vous donner un exemple, une anecdote. Je discutais avant-hier avec un Algérien. On parlait de la future arrivée de Belloumi. Et lui, c'est parti des gens qui étaient contre son arrivée à l'OM. Il préférait Benfica ou l'Ajax. Et il me disait Ouais, Marseille, c'est trop de pression. Et moi, je lui dis Mais attends, tu rigoles. En Algérie, quand tu joues avec l'équipe nationale au 5 juillet, la pression, elle est énorme. Ils sont très exigeants là-bas aussi, hein, très durs. Et lui, il m'a répondu un truc. Il m'a dit Ouais, mais à Marseille, la pression, elle est malsaine envers les jeunes joueurs. C'est pas pareil. Et là, pour la première fois de ma vie, parce que moi j'ai répondu à tout sur l'OM, je savais pas quoi lui dire. J'étais, euh, je savais pas. Parce que, il a raison. Nous avec les jeunes joueurs, on s'en fout. On les juge pareil, même s'ils viennent d'arriver, ça va dans le même sens. Les mecs qui viennent d'arriver, les jeunes joueurs. Et puis je sais très bien, en Algérie, euh, les gens ils se disent, bon, il vient d'arriver, enfin, c'est un jeune joueur, on verra plus tard. Euh, même dans le stade, ça se ressent. C'est pas les mêmes réactions. Nous, c'est l'impatience qui nous caractérise. Et je vais vous dire un truc concernant le centre de formation. Bon, on s'y intéresse un petit peu hein, globalement depuis quelques mois, mais ça fait des décennies que les supporters de l'OM s'intéressent très peu au centre de formation. On ne sait même pas qui joue en U17, en U19. Demandez à la communauté lyonnaise ou d'autres communautés que je vais pas citer d'autres clubs, eux, ils les connaissent les jeunes. Hein. Bon, tu vas me dire c'est normal parce que notre club nous a habitués à ne pas lancer des jeunes ou très rarement. Mais c'est une culture qu'ils ont que nous on a moins. Eh ouais. Qui connaissait la fond avant qu'il rentre contre Benfica Très très peu de monde. Eh bien, au niveau du centre de formation, là, il y a une volonté hein, que beaucoup de jeunes joueurs soient lancés la saison prochaine. Moi, je vous garantis, hein, au bout d'une ou deux mauvaises entrées, ils vont se faire défoncer. Et c'est ça le message que j'ai envie de dire. À Marseille, il y a une part euh, de toxicité, encore une fois, un, du côté même un peu, un peu malsain, cruel. Voilà, c'est ça le bon terme. On est cruel aussi parfois avec les joueurs. Et ça, ceux qui nous le disent, on peut pas dire l'inverse. C'est une réputation qu'on a et qui est méritée, les gars, et qui va se perpétuer encore avec le temps. Autant la réputation qu'on a de public exceptionnel, unique même, particulier, elle est restée, elle est ancrée, elle va continuer comme ça. Mais autant à l'inverse, le côté cruel, toxique, ça va continuer ainsi. Donc je suis pas d'accord avec ceux qui disent que Ndiaye a été protégé toute la saison. C'est pas vrai. Alors il a été critiqué. Comme les autres, comme Léoba Young, Sar, Kondobia, Lodi. Et je dirais même parfois peut-être un peu plus, parce qu'il a eu un accueil extraordinaire, parce qu'on s'attendait à plus. Et euh, les jeunes se disaient, et surtout aussi parce qu'il aimait l'OM. Donc c'est plus la peine. Là je vous garantis, je vous dis droit dans les yeux, les prochains joueurs qui aiment l'OM, il faut arrêter de se mentir et de faire les hypocrites, hein, de, hein, de faire parler les belles histoires. Ouais, c'est un avantage, il aime l'OM, ça donne envie. Arrêtez maintenant, on arrête avec ça. Maintenant, on juge le joueur. Il est bon, il n'est pas bon, comme les autres. On s'en fout, c'est un mercenaire, pas un mercenaire. Maintenant, on juge ça. D'accord Qu'on ne recommence pas le même baratin parce qu'on va être content quand il va signer. C'est un plus, il aime l'OM, mais après, on va en profiter pour le défoncer. Et ça, ça correspond à Marseille et au public marseillais. Attends, au mois d'août, on était les premiers à le vouloir aussi en partie parce qu'il aimait l'OM. Au mois de septembre, on l'a défoncé parce qu'il aimait l'OM. Et ça c'est quelque chose à retenir dans ma vidéo. Le mal de Ndi c'est qu'il aimait l'OM aussi. C'est pas qu'il a été assez cher, 15 millions d'euros, c'est pas qu'il sort d'une bonne saison à Sheffield, c'est vu qu'il aimait l'OM. On en a autant parlé et ça lui a été reproché, je répète ce que j'ai entendu. Mais moi aussi j'aime l'OM, moi aussi j'aime l'OM mais moi je joue pas à l'OM, mais c'est incomparable. Lui, il avait le choix entre signer en première ligue Rester à Sheffield, signer à l'OM, comparons les salaires. Est-ce qu'il était gagnant chez nous? Non. Et pourtant, il vient chez nous. Il fait un choix du cœur. Toi, si on te demande de signer à l'OM en tant que supporter, même gratuitement, tu vas y aller. Logique. Logique. Lui, c'est un joueur professionnel. C'est pas le même statut. C'est triste, hein. C'est triste cette nouvelle parce que c'est un gâchis. Ndiaye n'a pas su exploiter son talent à l'OM. Alors il a aussi sa part de responsabilité. Ça, je vais en venir. Sa saison a été décevante. Mentalement, il n'a pas su se libérer. Et bon, il a marqué combien 3-4 buts. Dans la saison, il a été très peu décisif. J'ai peu de souvenirs à hein, où j'ai célébré des buts de Ndiaye, Quasiment pas, franchement. Si, j'ai quelques souvenirs en Coupe d'Afrique, tiens. Il avait marqué un beau but, une, une frappe croisée. Il a fait une super pasée avec une roulette à la Zidane juste avant. Là, oui, mais bon. Donc, euh, peut-être que c'est le destin. Peut-être c'est ainsi. En tout cas, c'est moche. C'est moche. Et même les supporters qui sont contents, ils ont le droit. Il hein, n'y a pas de souci que Ndiaye soit vendu. Parce que le transfert va être rentabilisé. Hein. Il va partir au même montant qu'on l'a acheté. On ne va pas faire une plus-value. Hein. Par contre, à mon avis, ça va être dans les mêmes eaux. Si vous êtes satisfait, ok, mais avouez que c'est moche. C'est moche ce qui s'est passé depuis juillet 2023. Après, certains, vous n'êtes pas responsables. Parce que, et je parle de peu de personnes, hein, peu de personnes se sont pas enflammées quand il est arrivé. Vous, je vous comprends, ok. Mais bon, il y a eu aussi les supporters qui se sont enflammés au mois de juillet, après qu'ils l'ont descendu dès le mois de septembre, voire fin août, au bout de 3-4 matchs moyens. Ne dites pas que NDI a eu un traitement de faveur. En commentaire, est-ce que vous trouvez Ndiaye a été plus protégé que les autres. Ça, c'est le truc à la mode aussi. Et ça m'énerve un peu. Non, Ndiaye, on en a beaucoup parlé cette année. En répétant, en répétant, en répétant de longue que c'était pas le niveau attendu, qu'on s'attendait à mieux, qu'il aimait l'OM et que c'était un défaut même. Donc on arrête les belles histoires. On s'en fout maintenant. Prochain joueur qui aime l'OM, je ne veux plus en entendre parler. Même pas, ça m'intéresse. Après, vous allez me dire, ouais, mais si c'est Griezmann, Sadio a etc., c'est différent. Euh, oui, parce que c'est des joueurs, des statuts de classe mondiale. Mais les belles histoires comme ça, c'est bon. Voilà, à Marseille, on est comme les autres. Hein. Le joueur, il est bon. On le juge comme ça. S'il n'est pas bon, euh, voilà, il n'y a pas d'amour du maillot plus que ça chez un joueur. On le juge par ses performances et tout. Voilà, c'est pour ça que s'il y a des jeunes du centre de formation, l'année prochaine, qui sont intégrés et qui déçoivent rapidement, ils vont se faire détruire, ils vont se faire défoncer. On n'a pas cette culture, on n'a pas cette patience. Et ils ont raison, les autres, de dénoncer notre côté toxique, notre côté malsain et notre côté cruel. À Marseille, la passion est, et elle est unique et elle est exponentielle. Si le joueur NJI aurait réussi, il aurait reçu euh, un amour inconditionnel x10 par rapport à tous les autres clubs dont il va passer prochainement. Je suis cartonné à Everton, il vaut mieux réussir à Marseille qu'à Everton. Mais à l'inverse, NJI a échoué. Et NJI, il a plus souffert mentalement, psychologiquement cette saison que s'il aurait échoué ailleurs. Parce qu'à Marseille, c'est tout rien. On est cruel, malsain, toxique. Ça, c'est vrai, hein, ce n'est pas une réputation. Parce que des fois, on dit des trucs sur nous qui ne sont pas avérés. Et je suis le premier à le défendre. Même on me reproche de trop encenser le club pour son côté prestige, historique, sa passion. Mais je suis aussi conscient de certaines choses. Et je m'adresse aux supporters de Beloumi parce qu'il est proche de Seigné, qui disent à Marseille, il y a de la pression. Je vous réponds, clairement, à Marseille, ce n'est pas qu'il y a de la pression, c'est qu'elle est énorme la pression énorme au quotidien quand tu joues dans ce stade sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi les réseaux sociaux il n'y avait pas ça avant il y a 10-15 ans quand Bakayoko Chapuis ils jouaient à l'OM c'est des chèvres en attaque hein. ils étaient sifflés au stade parce que c'est vrai que le stade à l'époque par contre il était encore plus exigeant mais dans la vie de tous les jours ça se ressentait pas vraiment vous croyez que les joueurs, surtout NDI, amoureux de l'OM, il ne regarde pas Internet, il a regardé toute l'année les critiques qu'il y avait dès le mois de septembre, et il a été un peu étonné, je pense. Il a été étonné, attends, j'ai été ovationné fin juillet, là au bout de 3-4 matchs, c'est autant cruel, et ça l'a impacté mentalement. Après, il faut avoir le mental, je sais bien, il faut avoir les épaules pour jouer à l'OM. Et certains, ils auraient peut-être réagi. Mais rappelez, NDI, il a raté une saison, d'accord, mais gignac. Euh, Balerdi, pff, je peux vous citer une trentaine de joueurs si je réfléchis pendant 10 minutes. Eux, après l'histoire avec l'OM, elle a été exceptionnelle. Bah, Ndiaye, il est parti. Et pourquoi il part Alors peut-être parce que madame veut retourner en Angleterre. Peut-être parce que l'OM le veut plus. Ou peut-être parce que c'est un mélange des trois. Je ne sais pas. On aura la vérité là-dessus un peu plus tard. Mais moi, je voulais surtout rebondir sur le fait que Ndiaye n'a pas été protégé plus qu'un autre par la communauté OM. C'est pas vrai cette saison. Il a été critiqué très durement parfois, autant que les autres. Qu'il a eu un accueil, c'est vrai, plus fort que les autres, plus élevé, peut-être trop. Moi, le premier, les winners, les premiers, parce que c'est pareil, il hein. n'y a pas que les internet, les insiders, je sais pas quoi, il y a aussi euh, les South Winners qui ont eu fait un accueil spécial parce que c'était une belle histoire. Mais ça, cet accueil, certains leur ont reproché quelques semaines plus tard en disant Comment il s'appelle Ah oui, celui qui aime l'OM. <laughs> J'ai entendu des trucs comme ça hein, à voix haute, hein. truc de fou. Hey, je suis NJI, j'entends ça, Ah, ça dégoûte, ça me donne envie de vomir. Après, ce n'est pas le moment de... Moi, je lui souhaite bon courage, bonne chance. Franchement, le garçon. C'est un bon mec, c'est un bon petit. Ça se voit, il a du talent. Je souhaite de réussir de cartonner ailleurs, comme je pense à tout le monde. C'est comme ça, ça n'a pas matché. Mais écoutez, on a tous fait un mea culpa, que ce soit ceux qui l'ont encensé, ceux qui l'ont un peu trop critiqué parfois. Et lui, même le joueur, même le club, même l'OM, le club, voilà la vidéo de son arrivée, toute la communication qu'il y a eu autour. C'est triste, c'est moche, c'est moche. Parce qu'on aime aussi le foot, on aime un club pour ses belles histoires. Si N'Diaye aurait réussi à l'OM, ça aurait été mieux que si Sarr réussisse ou si Louis Sévriquet réussisse. On aurait été dix fois plus contents. Soyons honnêtes, il y avait un côté attachant à travers tout ça. Mais là, bon, après je dirais pas qu'on passe pour des pifres, hein, parce que ça, ça peut arriver à tous les clubs. Mais bon, voilà, il a été surexposé, c'était le tube de l'été 2023, N'Diaye. Il y man, N'Diaye Gna 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 c'était ça l'aéroport. fin hein. Fin juillet, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Ça part des South Winners en premier lieu. Et puis au stade Vélodrome, le lendemain contre les Verkusen, tout le virage comme un seul homme à l'unisson. Hey, hey, Toutes les autres crues, elles sont arrivées tête basse sur le terrain. Rien que des applaudissements, c'est tout. <laughs> Donc c'était la Rockstar. Et au final, euh, la pression l'a pesait tellement. Mais dès son arrivée, parce qu'il a voulu tout donner pour nous, pour nous, pour nous. Dans son jeu, ça se voyait. Pff, je ne pas, les crampes au bout d'une heure contre les Verkusen. Bon, Tu vas me dire aussi, il y avait la fatigue du voyage. Et puis, au bout de quelques matchs, quand il a vu les critiques, peut-être un peu exacerbées d'entrée, parce qu'on s'attendait à mieux, là, il a commencé à douter. Enfin bref. Et puis, en plus, il arrive dans une saison chaotique. C'est ça le pire, parce que je disais Gignac, Balerdi, ils ont raté leur première saison. Mais lui, quatre entraîneurs, il est ballotté à droite, à gauche, faux neuf, seul en pointe. Pas facile, il y a eu la canne au mois de janvier. Quand le contexte à Marseille est plus, euh, je dirais pas plus calme, parce qu'il n'est jamais calme, mais il est plus euh, positif. Je ne sais pas, la saison de Sampaoli, la saison avec Elibop, on est deuxième. La saison avec Villas-Boas, on est deuxième. Là quand même, tu as un contexte où, ouais, on peut le dire, c'est un peu plus calme. Allez mais là, une saison comme ça, la saison Mitchell, euh, la saison avec, euh, oh, avec euh, Christophe Boucher après le départ de Drogba, wow, c'est pesant. Hein. Moi, j'aime l'OM, mais je ne souhaiterais pas être à la place de Longoria. Hein. Même avec son salaire, avec ce qu'il touche, je ne souhaite pas à mon pire ennemi d'être à la place de Longoria pour recevoir ce qu'il reçoit tous les jours de la part de tel. Bon, après, tu vas me dire, il ne regarde pas ou il en entend des choses. Forcément, il est obligé, mais il faut avoir un peu de mental quand même. Et après, vous allez me parler d'argent. Ouais, mais ils ont des gros contrats, mais ces joueurs, ces mecs plutôt, ces mecs, ils sont habitués à gagner beaucoup d'argent. Et ils pourraient en gagner ailleurs de l'argent. Longoria, il peut en gagner ailleurs, en Espagne ou autre. Bon, tu vas me dire, il ne serait pas président, mais bref, peu importe, tu m'as compris. Euh, Ndia, il pourrait en gagner dans un autre club, où il y aurait moins de pression. Bon, c'est vrai qu'il y aurait moins de ferveur aussi dans le même temps, ça on le sait. Donc l'argent, quand on est à la place de ces gens-là, ça fait pas tout. Et ils s'habituent à, euh, voilà, à cette maille, à ce salaire, c'est pas comme si nous, on devient joueur professionnel, au bout d'un mois ou deux, on est super content d'avoir de tels salaires, ces nouvelles vies, mais au bout de deux, trois ans, on s'en fout, hein. on lit des critiques, on se fait insulter, on se fait cracher à la figure, je te garantis, on réagit, enfin voilà, on serait comme, euh, on est au quotidien. Donc euh, voilà, les de... moi je pensais comme vous à l'époque, comme certains, que les joueurs de foot, ils ne pouvaient pas se plaindre des critiques, Attends, il n'y avait que ça comme côté négatif dans leur euh, métier. Sauf qu'il n'y a pas que ça déjà, il y a plein d'autres choses. Mais en plus, parce que dans ma vie personnelle, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai aussi un exemple qui parle. Mais en plus, euh, c'est pas la vérité. Voilà. Euh, tu deviens euh, bah, comme tu étais avant. Parce que tu t'habitues à tout ça. Bon les amis, je vais m'arrêter là. Ça fait 18 minutes que j'ai parlé du cas Kalima Ndiaye Je vous souhaite vraiment une bonne continuation, même si euh, je pense qu'on aura la, la vérité dans les prochains jours sur pourquoi il est parti. J'ai ma petite idée encore une fois. C'est triste, c'est moche. Donc euh, mais à coup de pas de beaucoup de personnes, beaucoup. Même ceux qui ont critiqué, attention. Hein. Il n'y a pas que ceux qui l'ont encensé. Enfin, les critiques sont normales, sont justes. Sa saison a été décevante. On a tous été. Enfin, c'est normal de dire ça, c'est la réalité. Mais je parle de ceux qui ont dit On s'en fout qu'il aime l'OM. Mais moi aussi, j'aime l'OM. Bah bah bah. Mais arrêtez un peu, alors qu'on arrête avec les belles histoires. C'est fini. D'accord Le prochain qui aime l'OM, sauf s'il s'appelle Griezmann, Sadio Mané, ou comment Pogba, parce que lui aussi, il aime l'OM à la base. Allez, pourquoi pas Mais les autres, hein, parce qu'on les préviendra, les autres. Hein. Tu vas avoir un bel accueil. Mais attention, ça va se retourner contre toi. Et c'est à l'image de Marseille, de la ville, du club, du stade. On peut être magnifique, mais cruel et toxique à la fois. Et les vrais savent de quoi je parle. Et en quelques mois, et hein, ça se retourne vite. Hein. Comme dirait Deschamps, et ça, il le répète tous les jours. Comment La girouette, enfin. Le vent y souffle, voilà. Est, ça fait partie du charme aussi de, de l'OM, hein. ça fait partie du charme de la ville, de ce peuple marseillais. Ça fait partie du folklore. Mais ça, le vent tourne très vite, très vite. Et Ndiaye, le vent, il a tourné très vite, d'accord La patience. Bon, une partie a été patiente avec lui, ceux qui étaient fans, ceux qui l'ont protégé. Il y a une partie, mais la majorité n'ont pas été patients avec lui. Il n'a pas eu de traitement de faveur. Il a été critiqué comme les autres, parce qu'il a été décevant cette année, mais parfois plus que les autres. Ndiaye, on en a parlé. On parlait pas beaucoup d'Ismaïla Sarr. La vérité, ça c'est une saison décevante comme NJI. Mais est-ce qu'on en a beaucoup parlé entre nous Moi, sur internet, euh, dans la vie de tous les jours, j'entendais le nom Ndiaye. Ndiaye, NDI, il alimentait tous les débats et pas en positif, hein. du mois de septembre jusqu'au mois de mai, en déception. Et lui, il a, il a entendu hein, euh, dans ses oreilles waouh, wow, au bout d'un moment, il a implosé peut-être aussi mentalement. Ça l'a encore plus pesé, euh, même si au départ, la pression, euh, l'accueil lui a pesé également. Donc, euh, ne dites pas qu'on l'a protégé, couvé dans l'ensemble, je dis bien. Certains l'ont protégé, mais la majorité, non. Ce n'est pas ce qui ressort. Il a été, au contraire, très critiqué NDI parfois parce qu'il a eu un accueil extraordinaire, parce que ça, ça a été reproché, parce qu'on n'aurait pas dû l'accueillir comme ça, parce que c'est un joueur, pour certains, trop moyen. Mais bon, ça ressemblait à une belle histoire. C'est pour ça qu'il a été bien accueilli aussi. Donc, on arrête, alors, avec Marseille, le côté beauté, les belles histoires qui aiment l'OM, l'amour du maillot. Non, non, non. Nous, on veut un joueur performant et c'est tout. Voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Bon, voilà, c'est une vidéo avec le cœur, les amis. J'ai parlé à chaud. Et j'ai dit ce que j'avais à dire euh, globalement. Je vérifie sur Twitter s'il n'y a pas de nouvelles infos. Euh, non, 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 on est bon. Mais c'est fait, hein, c'est acté. Hein. Romano vient de tweeter, accord avec Everton. Il est déjà là-bas. Donc euh, il part à 99%. Voilà, c'est comme ça. J'avais envie d'ajouter rajouter un truc pour finir. Euh, sur ce que les réactions des supporters là. Euh, peut -être, peut -être euh... Ouais, bon, je sais plus, c'est pas grave. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me donner votre avis en commentaire, que ce soit positif ou négatif. Je sais que j'ai parlé un petit peu avec le cœur, mais bon, des fois, t'es obligé. Hein. Moi, je suis un, un peu touché. Bon, après, je vais m'en remettre. J'aime l'OM. J'aime l'OM avant tout. Bon, des joueurs qui ont quitté le club que j'aimais, il y en a eu plein. Hein. Notamment le plus grand, Drogba, en l'été 2004, que j'ai connu euh, au 21ème siècle. Ça a été le plus grand, Drogba chez nous. Le plus fort, en tout cas. Donc euh, je m'en remettre, mais c'est triste. C'est un sentiment de gâchis, de tristesse. C'est moche comme histoire, c'est moche. Donc c'est dommage. J'aimerais bien que ceux qui l'ont critiqué fortement au cours toute l'année reconnaissent que c'est moche au final. Euh, bien sûr, on lui souhaite bonne continuation. Euh, parce que hein, sa volonté de partir, croyez-moi, euh, c'est ce que j'ai cité euh, juste avant. Bon, Forza l'OM et on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos. Mercato. Mais voilà, comme j'ai dit, euh, les autres crues comme Sar, comme... Euh, L'audi etc on en a moins parlé même quand ils n'était pas bons parce que c'était pas njai njai qui était le tube de l'été 2023 donc autant il a été accueilli mieux que les autres mais autant parfois il a été critiqué peut-être un peu plus que les autres par une bonne partie du supporter de l'om on le voyait partout sur internet que les gens se sont retournés c'est pas une critique c'est un constat c'est un fait vous avez le droit de vous retourner mais faut juste le reconnaître et pas raconter d'histoire Ndiaye a été protégé. C'est ça, c'est être protégé. Même lui doit en rigoler, hein. quoi. J'étais protégé. Non mais tu rigoles. Mais après, c'est pas le mec, euh, c'est pas le genre de se plaindre de ça ou quoi. Il connaît, il connaît le club, il connaît Marseille. Et puis d'ailleurs, Gasset l'avait dit un truc. Au mois de février, quand il arrivait j'ai parlé avec certains joueurs, certains nouveaux. Ils m'ont dit, est-ce que vraiment, j'ai, euh, je suis fait pour ce club Vous, vous rappelez de ce qu'il a dit Gasset, sa première conférence de presse Et on pensait à qui là On pensait à Ndia en Premier lieu, donc ça fait mal au cœur quand même d'entendre ça. Il a été voir Gasset, lui a dit ça dès ses premiers jours. Après, bon, Edia, il a connu quelques bons matchs, puis après, il avait replongé rapidement. Donc, peut-être que lui aussi est le premier conscient de sa saison ratée. Que mentalement, jouer à l'OM, c'est pas, pas facile, encore plus quand tu aimes ce club. Ça, les prochains joueurs qui aiment l'OM, ils doivent le savoir. Ok, je m'en fous, je dis la vérité. Si tu aimes l'OM, crois pas que c'est quelque chose de positif, ça peut être super. Si mentalement, si tu vas t'imposer, ça va être 10 fois plus, 10 fois plus beau. Mais à l'inverse, les gens ils vont être cruels avec toi. Ils vont être toxiques. Ils vont être malsains. Et rapidement, hein, rapidement. il hein, n'y a pas la même patience. Je connais encore une fois des peuples, des communautés très exigeantes. Je parlais de la communauté algérienne. Parce que est que c'est un bon exemple Les gens ils sont très durs là-bas. Hein, quand ça ne va pas. Tiens, le dernier match, ils ont encouragé dans les arrêts de jeu la Guinée, l'adversaire. Olé, parce qu'il perdait 1-0. Bah, tiens, c'est comme nous. Monaco, l'année Garcia. Olé, au stade vélodrome. Pour, les, pour Monaco, hein, en 2019, après le match perdu à Andrézieux, j'y étais. Bon, c'était les winners, ce virage sud et quasiment l'ensemble du stade. Pareil, je peux vous donner d'autres exemples. L'époque bouchée, euh, pff, 2013, là, avec José-Anigo sur le banc contre Ajaccio, les chèvres et tout. On est ironique à Marseille. On peut chambrer notre propre club, nos propres joueurs surtout, nos propres joueurs, quand ça va très très mal. Et là-bas, ils sont un peu pareils. Sauf qu'eux, ils sont plus patients avec les jeunes. Nous. Je vais rigoler, hein. les jeunes du centre de formation, je vais rigoler, je vous assure. Quand ils vont se faire défoncer rapidement. Et c'est pour ça aussi qu'à Marseille, on n'aura jamais cette culture-là des jeunes du centre de formation. Ce n'est pas qu'une question de choix, de politique. C'est aussi une explication. La politique du club fait qu'on ne fait pas confiance aux jeunes depuis 20-30 ans. Il y a aussi tout l'entourage, le contexte marseillais, où dans le centre de formation, il y a eu quelques gens bordéliques. Hein. Depuis l'époque, Robert Ludrefus. Ça aussi, c'était un problème. Mais la troisième raison, c'est que les supporters sont impatients. Bon, il y en a d'autres des supporters impatients dans le monde entier. Mais nous, on est impatients surtout. Avec les jeunes. Et même avec ce Bon, parce que Ndiaye, c'était un jeune. C'est comme si c'était... Euh, voilà, 22, 23 ans, il venait d'arriver. Et avec les nouvelles recrues. Les nouvelles recrues, les jeunes du centre de formation, peu importe. On juge ce qu'on voit sur le terrain, on juge le niveau de suite. Allez, on attend un match au mieux. C'est tout. Voilà, c'est la vérité. Par rapport aux autres, je ressens une différence. Même des supporters d'autres clubs français, il y a une différence entre nous et eux de ce côté-là. Nous, on juge très vite. Très, très vite. Voilà. Et vous savez, le départ de NJL à Everton, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Hein. Et dans les raisons que j'ai expliquées par rapport aux réactions des supporters, etc., il y a un peu tout ça là-dedans. Hein. Parce que mentalement, on sait qu'il a été impacté. Enfin, après, faut... j'en ai déjà parlé précédemment, il faut être fort pour jouer à l'OM. D'accord. Gignac, qui s'est manqué pendant deux ans. Baler dit deux ans, il y en a eu plein d'autres. Ok. Mais les responsabilités sont un peu partagées. Allez, je m'arrête là. Désolé si j'ai été un peu long. Mais je pense que c'était intéressant d'en parler. Force à l'OM. À la vie, à la mort. Mais je suis un peu triste ce soir. Et pour finir, je vous avoue que cette saison, il y a des choses euh, qui m'ont un peu dégoûté. Hors sportif. Hein, je ne parle pas des joueurs sur le terrain, de la saison ratée. Le contexte autour du club. Bon, ça fait depuis 99 que je supporte l'OM. Au quotidien, en me renseignant sur tout, mais tout sur le club, tout, hein, quand je dis tout, c'est tout. Tout, euh, tout ce qui fait Marseille, l'OM, euh, dans son ensemble. Et là, c'est une des premières saisons où j'ai été dégoûté au plus profond, parfois, certains jours. Je me rappelle après la réunion du mois de septembre. Mais je ne je jette pas la pierre au groupe de supporters, là. Mais juste, ça m'a fait mal au cœur un peu. Que ça, fait, ça fasse autant de bruit, les médias, tout. Je sais pas, ou, ou alors j'ai changé, hein, je ne sais pas. Mais il y a eu plein de choses cette année euh, qui m'ont fait un peu mal. Et je ne parle pas des mauvais résultats, même si c'est lié aux mauvais résultats, bien sûr. Et le traitement, tiens, le traitement de certains joueurs, de certaines nouvelles recrues, j'avoue, ils ont pris cher. Hein. Oh oh, ils ont pris la foudre, c'est ça aussi, dites pas qu'on a été trop gentils cette année. Au vélodrome, oui Le vélodrome a été gentil, mais dans l'ensemble. Et maintenant, les réseaux sociaux, ça fait partie du mood. Il y a 20 ans, Bakayoko Chapu, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ils étaient sifflés de temps en temps au stade et c'est tout. Mais là, j'ai senti euh, d'entrée cette saison. Bon, en même temps, l'avenir nous a donné raison. On a fait une saison catastrophique. Mais peut-être aussi parce que l'impatience, la gronde, était là d'entrée. Avec ce qui s'est passé en début de saison, euh, voilà, euh, peut-être aussi, il faut savoir dire la vérité, les gars. Et Aubameyang, ok, il a réagi, mais peut-être que même sans les critiques, il aurait réagi, il aurait retrouvé une vraie condition physique, il aurait claqué des buts, il faut être quand même pragmatique, il faut être... Euh... Oh, il ne serait pas resté à ce niveau-là, Aubameyang. Mais Aubameyang, tiens, 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 parlons-en rapidement. Vous savez qu'il a joué avec la haine des supporters de l'OM, qu'il l'a dit il y a 15 jours, et ça peu, personne l'ont vu, il l'a dit de ses propres mots. Bon, maintenant, il peut le dire, parce que personne va lui en vouloir, il est exceptionnel chez nous maintenant. Mais vous vous rappelez quand il marque contre l'Ajax son ciseau acrobatique, et il regarde le virage nord avec un regard de tueur. Il y a des gens, ils disaient, hey, j'espère que tu regardes pas mal le virage là. Eh bien, c'était la vérité. Si, 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 il jouait avec la haine. Mais ça, on n'est pas à sa place pour pouvoir juger. Parce qu'il a trouvé, il a, il a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie, dans ma carrière. Des supporters aussi cruels, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça, il va le répéter après sa carrière. Hein. Mais il va aussi dire qu'à Marseille, il a vécu une ferveur unique. Et ça, il le répète, hein, encore dernièrement. Voilà. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec Ndiaye. Obama Yang aussi l'a vécu. Donc cette année, les recrues à l'OM ont été mauvaises la plupart. On s'est manqué, on le sait, mais ils ont pris cher. D'accord? Qu'on dise pas l'inverse. Et je pense que l'année prochaine, vu qu'on repart sur une saison sans Coupe d'Europe, il y aura un peu plus de patience. Mais on ne se refait pas. On finit deuxième l'an prochain, le mercato à venir dans un an. Bah on redeviendra impatient. Ça dépend des résultats qu'on a connus récemment. Là, on a été huitième, donc euh, on peut faire que mieux. On sera que mieux que huitième, les gars. C'est la vérité. C'est comme la saison avec euh, Villas-Boas, la dernière. On est à la cave. Après, Saint-Paul arrive. On était comme des fous, là. Oh, génial, génial. On était même dans l'euphorie, beaucoup trop dans l'euphorie, les premiers matchs. Et là, on était assez patient cette saison-là. Voilà, ça, ça tourne, c'est des cycles. Allez, force d'Aloem. Désolé d'avoir été long la team, mais j'avais beaucoup de choses à dire. À bientôt.